D'accord. Est-ce que vous voyez mon écran? Je peux commencer. Oui, parfait. Merci beaucoup, Habib. Alors, en fait, j'ai une présentation qui est assez longue, mais je sais que j'ai que 18 minutes. Donc, je pense que je vais essayer de parler pour 10 minutes, même si je parle que des grandes lignes. Et après, on pourra discuter un peu pour ceux qui veulent discuter sur ce sujet. Et il y aura aussi d'autres occasions sûrement de discuter parce que je ne pense pas que même les 18 minutes de présentation seront suffisantes. Mais en gros, je vais donner une introduction générale sur le travail que j'ai fait, ainsi qu'un contexte et un peu de background. Et je vais expliquer la recherche que j'ai initiée, pourquoi je l'ai faite et quels ont été les résultats. Je vais analyser les résultats très rapidement avec vous. Après, je conclurai et on pourra discuter des idées pour le futur. Donc, comme vous savez, les centres régionaux sont l'un des piliers de la stratégie Wikimedia 2030. Donc, la stratégie Wikimedia 2030 a un de ses axes et je dirais pas de décentraliser, mais au moins de renforcer les différentes parties prenantes du mouvement. Et une des idées les plus importantes dans ce sujet ou dans ce cadre, ce sont les centres régionaux, en anglais les regional hubs. Il y a aussi les centres thématiques, thematic hubs. Alors, j'ai effectué pour cela une étude entre juin et juillet 2021 où j'ai sondé l'opinion des communautés arabophones sur trois principaux sujets, ou disons, j'avais trois principaux buts pour sonder ces communautés. Donc, premièrement, je voulais collectionner des données, je voulais comprendre la perception de la communauté relativement aux centres régionaux, et enfin, je voulais analyser les résultats pour recommander pour l'avenir. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Eh bien, parce que malheureusement, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup d'actions, de mouvements au niveau, pas seulement des centres régionaux, mais au niveau de beaucoup de points de la stratégie Wikimedia 2030. Il y avait un peu de, je dirais pas de laxisme, mais il n'y avait pas beaucoup d'actions, en tout cas, ni au niveau des communautés, ni au niveau de la fondation. Je ne sais pas pourquoi. Et quand j'ai parlé avec l'équipe de stratégie de la fondation, ils m'ont dit que pourquoi n'essaierais-tu pas de demander une subvention? Rapid Grant, et tu peux faire un travail de recherche et après on pourra se baser sur ça pour savoir que faire. Et moi j'ai pris ça comme un défi et c'est ce que j'ai fait. Donc, comme vous savez, comme j'ai dit, les centres régionaux sont un point très important et qui sont dans le cadre des 10 recommandations. Là, il y a une recommandation, la quatrième, sur assurer l'équité dans la prise de décision qui inclut donc les centres régionaux. Il inclut aussi d'autres points, et ceci dit. Mais il y a une initiative, l'initiative 25, qui est axée seulement à ces centres régionaux, au Hub Wikimedia. Vous pouvez l'avoir ici, donc sur Hubs, le 25, Regional Thematic Hubs, donc les centres régionaux et thématiques, qui sont un point important des discussions. D'ailleurs, ils seront discutés ce samedi. Pour ceux qui sont intéressés, il y aura un atelier organisé par l'équipe de la stratégie de la Fondation, samedi après-midi, pour discuter justement sur ce point, pour avancer un peu plus. Alors, comme je vous ai dit, il y avait des discussions mondiales, mais il n'y avait pas vraiment de clarté sur l'implémentation, sur quelles sont les actions à savoir. Tout le monde est d'accord, c'est important d'avoir des centres régionaux, on va avoir des centres régionaux, on va avoir la décentralisation, mais on ne sait pas beaucoup de choses. On ne sait pas qui gère ce processus, on ne sait pas comment ce travail sera fait, on ne sait pas qui doit commencer les premières étapes et si cette entité, cette organisation ou ces personnes ont la légitimité de faire cela. Comme vous savez, il y a beaucoup de, disons, de groupes ou de régions dans notre mouvement. Il y a aussi beaucoup de langues qui sont parlées et qui donc sont importantes. Par exemple, dans mon cas, il y a la langue arabe qui est une langue officielle dans 22 pays. Il y a la langue française qui est une langue officielle dans 29 pays. Donc, on a beaucoup de pays, de groupes d'utilisateurs, d'affiliés, de chapitres qui sont axés soit autour de langues, soit autour de thèmes, qui veulent travailler ensemble, mais qui ne savent pas comment travailler ensemble. Enfin, ils savent comment le faire d'une manière informelle, mais pas d'une manière formelle au sein du mouvement Wikimedia. Donc, les centres régionaux, comme j'ai dit, je ne vais pas m'attarder dessus parce que je répète un peu l'information, c'est des centres qui sont importants, il y a beaucoup de groupes d'utilisateurs. Et moi, mon travail, je l'ai fait sur la région arabophone et c'est ce que je vais essayer d'expliquer ici. Donc, mon travail de recherche est venu parce qu'il n'y avait malheureusement pas beaucoup d'informations sur ce sujet et parce qu'on devait savoir comment on allait travailler pour implémenter ces centres régionaux. J'ai eu quelques limitations pour faire mon travail au niveau de la portée. Au début, j'ai voulu faire toute la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, mais les premiers participants qui ont participé dans mon enquête étaient assez clairs qu'ils voulaient parler juste de la région arabophone, ce que j'ai fait. J'ai aussi quelques défis au niveau de la quantité des données et leur niveau de représentativité. Et notamment, c'était dû aux défis techniques, puisqu'il y a plusieurs pays qui ont des problèmes techniques, et il y avait des problèmes d'Internet, même l'électricité dans quelques pays. Donc, je n'ai pas pu recueillir des informations de toute la région, mais
En même temps, j'ai essayé de d'innover pour pouvoir avoir le plus d'informations possibles de plus de personnes. Donc, pour la méthodologie de recherche que j'ai faite, j'ai effectué un sondage des opinions des membres de communautés qui sont intéressés. On a eu des entretiens individuels avec les personnes qui voulaient. Aussi, on envoyait un sondage communautaire et en faisant des petits sondages rapides sur Facebook, c'était des questions assez simples avec des réponses oui ou non pour pouvoir avoir une idée sur des différentes questions qui touchent aux centres régionaux. Ça a duré pendant 3 semaines où j'ai pu collectionner un nombre conséquent de données que j'ai pu analyser plus tard. Et bien sûr, j'ai fait ça sur différentes plateformes, l'email, le bistrot, en arabe, il s'appelle Maidan, et sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Telegram, aussi WhatsApp, je pense. Et donc, ici, vous pouvez voir un exemple du formulaire que j'ai envoyé. C'était un formulaire assez long, mais je pense que j'ai eu 25 réponses, ce qui était très bien. Je ne m'attendais pas à avoir 25 réponses pour un long formulaire qui prenait, disons, entre 20 et 30 minutes pour être répondu. Donc, les résultats, on a eu 78 participants de la région, dont plus ou moins 30% qui s'identifiaient comme femmes, ce qui est un bon nombre pour la région. Bien sûr, ça doit être amélioré, mais vu le contexte régional, je dirais que c'est assez bien. J'ai eu 25 participants qui ont répondu au long sondage communautaire, ce qui était très important pour moi parce qu'il y avait beaucoup de données qui venaient de ce sondage, parce que le sondage, en fait, il était plus que des réponses oui ou non, mais il contenait aussi de l'argumentation, ce qui était bien pour mon analyse. J'ai aussi eu 10 entretiens individuels d'une durée d'une heure chacun, ce qui était aussi très important vu que j'avais eu beaucoup plus d'informations détaillées de ces personnes. Et j'ai aussi des participants sur Facebook, donc 43 personnes qui ont répondu sur les différents sondages éclairs ou sondages rapides. Donc, les résultats des questions étaient un peu mitigés. Je vais essayer de ne pas m'y attarder, comme ça on pourra, comme j'ai dit, discuter. Mais on avait déjà un défi de définir quelle est la région. Est-ce que c'est la région arabophone? Est-ce que c'est le Moyen-Orient? Est-ce que c'est l'Afrique du Nord? Il y avait beaucoup de réponses de différentes personnes. Chaque personne répondait de son côté. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait être défini, pas seulement pour la région arabophone, mais pour toutes les régions qui veulent avoir des centres régionaux. La définition de la région est une question importante. Qui définit la région et pourquoi? Aussi, pourquoi avons-nous besoin d'un centre régional? Là, au contraire, il y avait une convergence, donc la plupart des gens étaient d'accord sur les réponses. Par exemple, améliorer la communication, améliorer le contenu, coordonner au niveau régional et aussi embaucher des membres de la communauté, ce qui est quelque chose de spécifique à la région arabophone, vu qu'on n'a pas de chapitre et on n'a pas d'employés dans les différents affiliés. Ce qui est différent, par exemple, de Wikifranca, où peut-être il y a des chapitres avec des employés, donc peut-être qu'il y a de différents besoins. Qui dirigera le centre? Ça, c'était aussi une question assez débattue. Est-ce que ça serait la fondation? Est-ce que c'est les communautés? Est-ce que c'est une collaboration entre les deux? Et là aussi, j'ai remarqué que ça dépendra beaucoup des régions. Il y a des régions qui veulent être plus autonomes, qui ont la capacité et les ressources d'être plus autonomes, alors qu'il y a d'autres régions qui disent que non, peut-être qu'on aura besoin de plus de soutien du centre. Et ça, c'est très, ça va compliquer les choses quand on aura les discussions sur l'implémentation, vu qu'on n'aura pas une solution pour toutes les régions, vu que chaque région veut ou a ses propres besoins. Et la mesure de l'indépendance aussi, c'est plus ou moins relié au même point. Pour les entretiens personnalisés, j'ai eu aussi les mêmes questions, mais bien sûr différentes réponses dépendant de qui a répondu à quelle question. Mais en gros, il y avait un accord sur le besoin d'avoir un centre régional et aussi sur les raisons de pourquoi on a besoin d'un centre régional. Par contre, les rôles, les responsabilités et les prochaines étapes ont été des questions qui n'ont pas vraiment été, enfin, tout le monde n'a pas été d'accord sur, par exemple, les rôles, quels seront les rôles, quelles seront les responsabilités, qui fera quoi. Et je pense que c'est assez normal qu'on aura besoin de plus de discussions sur ces points-ci. Donc, ici, vous voyez les résultats de l'enquête que j'ai fait, ou le sondage que j'ai fait sur Facebook, de sondage rapide. Les questions étaient assez simples, les réponses étaient oui ou non, mais elles montrent des tendance assez claire. Par exemple, oui, avons-nous besoin d'un centre régional? Donc, il y avait oui pour 84% des personnes qui pensent qu'on devrait avoir un centre régional pour la région arabophone. Pour qui doit démarrer ou commencer le travail sur les centres régionaux, c'était un peu. Donc, il y avait un peu de disparité entre la fondation, la communauté ou les deux. Et il y avait des arguments des deux côtés. Donc, là, pour justement arriver à départager les arguments, ça sera une autre discussion. Combien de centres régionaux devraient exister dans la région? Ça, c'était très intéressant.
Moi, au début, avant de commencer ce travail, je pensais que tout le monde était d'accord qu'on voulait avoir un seul centre régional, mais quand les gens ont commencé à répondre, on a vu que non, ils voulaient avoir plusieurs. Enfin, la plupart voulaient avoir plusieurs. Il y avait beaucoup d'arguments. Il y avait des personnes qui disaient, on veut avoir un centre pour l'Afrique du Nord et un autre pour le Moyen-Orient. Il y avait d'autres personnes qui disaient, non, on veut avoir un centre régional pour la région, mais on veut avoir aussi quelques centres spécifiques, peut-être des centres thématiques au sein de la région qui travaille sur de différents sujets. Ça aussi, c'est quelque chose qui devra être discuté pour voir est-ce que les centres thématiques devraient être mondiaux ou est-ce qu'ils devraient aussi être régionaux? Je ne sais pas, mais c'est quelque chose qui était intéressant. Le niveau d'indépendance aussi était quelque chose de débattu parce que justement, quand on montre ce graphique et qu'on montre que plusieurs personnes veulent que le centre soit sous la fondation Wikimedia, ça peut paraître paradoxal parce que quand on demande à d'autres communautés, ils disent que non, on veut être totalement indépendant. Et donc, c'est pour ça que je trouve qu'il est très important de conduire ce même travail de recherche dans d'autres régions. Parce que l'intention avec ce travail, ce n'est pas d'appliquer ce qui est ce dont la région arabophone a besoin sur les autres régions, mais juste de les inspirer pour faire le même travail et essayer de trouver eux-mêmes, identifier leurs besoins pour pouvoir avancer dans l'implémentation. Parce que justement, si on implémente ces résultats, par exemple, sur l'Amérique du Nord, on se retrouvera avec un centre régional d'Amérique du Nord qui est sous la fondation Wikimedia. Peut-être les gens d'Amérique du Nord, ils ne sont pas d'accord. Peut-être qu'ils veulent être totalement indépendants. Mais en même temps, il faut avoir un travail similaire afin de pouvoir identifier les besoins pour chaque région. Donc, je vais essayer très, très, très rapidement d'analyser ce que j'ai pu voir à travers ces différents sondages. C'est que, premièrement, on a des points d'entente dans la région. La région a besoin de centres régionaux. La plupart étaient d'accord. La portée sera la région arabophone, donc ce sera un centre aussi linguistique. Par contre, il y a une question qui était assez récurrente, c'est que l'AFCON devrait clarifier le statut des centres régionaux dès que possible. Parce que quand des personnes discutent avec l'AFCON, ils reçoivent toujours la même réponse. OK, on n'a pas ce statut, on a trois statuts. On a groupe d'utilisateurs, organisation thématique ou chapitre. On n'a pas un centre ou un hub. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait être clarifié assez rapidement pour pouvoir avancer au niveau de l'implémentation officielle et pas seulement en termes de discussion informelle. Aussi, les communautés sont d'accord que ça devrait être eux qui devraient avoir le dernier mot sur ces centres et que c'est les communautés en ligne et hors ligne qui devraient bénéficier les deux de ces centres régionaux. Donc ça, c'était les points d'entente où presque tout le monde était d'accord. Il y a des points qui nécessitaient plus de discussion, par exemple le rôle et les responsabilités du centre régional. La structure générale du centre, est-ce que ça sera un centre avec, par exemple, un directeur général, est-ce qu'il y aura quel type de staff il y aura, etc. Et aussi sa gouvernance, et aussi la relation du centre avec les parties prenantes de l'intérieur et de l'extérieur du mouvement, par exemple la fondation, la relation du centre avec les affiliés, avec les communautés, etc. Ça, ce n'était pas des points où il y avait disons, de grands débats, mais c'est des points qui devraient être éclaircis parce qu'ils ne sont pas encore très clairs. Et finalement, il y avait des points de désaccord, disons de grands désaccords, où chaque personne avait son avis. Par exemple, le périmètre géographique couvert par un centre régional. Qu'est-ce qu'une région? Comment on définit une région? Qui le décide? Si on pense par exemple à l'exemple des subventions, on a une région avec l'Afrique et le Moyen-Orient. Qui a décidé de ça? Et pourquoi? Est-ce qu'on aura la même chose pour les centres? Et pourquoi? Donc, c'est des questions qui créent de grands débats. Est-ce que c'est la région elle-même qui décide? Est-ce que c'est chaque pays dans la région qui décide? Est-ce que c'est les affiliés? Est-ce que c'est la communauté? C'est un point de désaccord. J'ai senti qu'il était assez fortement ressenti par les participants. Les prochaines étapes concrètes pour commencer le travail, c'est aussi un point de désaccord. Il y a beaucoup de personnes qui disent, nous, on est volontaires, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire un travail administratif toute la journée. On veut que la fondation commence à créer des ateliers pour qu'on discute. Il y a des personnes de la fondation qui disent, nous, on ne peut pas faire ça parce que c'est la fondation qui doit se sentir responsable de ce travail. Nous, on est là pour aider. Et donc, en fin de compte, on se retrouve par un blocage et qu'il n'y a pas d'avancement. Et justement, c'est pour ça que j'ai essayé de commencer ce travail et d'écrire un rapport. Aussi, le siège du centre, c'était, disons, assez marrant, parce que chaque personne, en gros, proposait sa ville ou son pays. Et ça, je ne pense pas que c'est la bonne approche pour pouvoir décider du siège du centre régional. S'il y aura un siège régional, peut-être qu'il y aura un siège régional virtuel. On ne sait pas encore avec toutes les nouveautés qui viennent avec le COVID-19. Donc, j'ai après essayé de voir les différents défis
et recommandations. Et donc, j'ai donné des recommandations pour les différents défis. Mais je pense que je vais laisser les 3 minutes restantes pour discuter, si vous voulez bien, parce que vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le rapport. Et je ne pense de toute façon pas que je pourrais présenter ça en 3 minutes. Mais en gros, j'ai résumé les différents défis qu'il y a et j'ai essayé de donner des recommandations sur comment avancer. Bien sûr, je ne pense pas que mes recommandations seront celles qui seront suivies, mais j'ai l'intention, en tout cas, de commencer un débat sur le sujet pour qu'on puisse sortir de cette situation de blocage où l'on en est maintenant. Et c'était tout pour moi. Donc, j'ai beaucoup de liens et sur cette présentation. J'ai mis la présentation sur Commons déjà, mais je vais vous mettre le lien sur le chat quand je terminerai la présentation. Et j'attends avec impatience vos questions. Je pense qu'on a 3 minutes pour discuter. C'était super, super rapide. Je suis désolé, mais il y avait tellement d'informations. Je voulais pas vous laisser en manque. Oui, bonjour. Bonjour Anna. Est-ce que du coup, tu as dit que le statut de hub, il n'a toujours pas été formalisé parmi les types d'affiliés. Est-ce que tu as une idée, enfin, je n'ai pas pu suivre les dernières discussions, est-ce que tu as une idée du à peu près le timing qui est prévu pour l'implémenter ou pour l'instant, c'est encore vague? C'est très très vague en fait. En fait, la seule réponse que j'ai reçue, parce que j'ai vraiment essayé d'insister sur cela, c'est que l'AFCON, le comité des affiliations, ne fait que qu'appliquer les décisions. Donc, ce n'est pas à eux de décider. Mais en même temps, c'est très très vague et c'est pas clair sur comment la décision sera. Si j'ai bien compris, ce sera le conseil d'administration, donc le board of trustees, qui prendra cette décision et qui demandera à l'AFCON de l'implémenter. Mais pour l'instant, je ne vois pas qu'il y a beaucoup d'engouement, disons, pour cela, pour le moment. Donc, c'est vraiment vague. À C'était toi. super. Merci, Habib. Merci. Bonne retour à moi.